Le processus de création délibérée Il n'y a pas de fin au processus de croissance, de changement ou de création. Chacune de vos pensées ajoute littéralement quelque chose à votre vécu. Mais, comme la plupart des gens mènent des existences monotones, presque toujours dominées par les mêmes habitudes et les mêmes influences, leurs pensées se ressemblent beaucoup d'une journée à l'autre et les circonstances de leur vie Demeure pratiquement inchangé. D'aucuns nous ont dit Abraham, je ne parviens pas à croire que je suis le créateur de ma propre réalité, car je ne me serais alors sûrement pas infligé cette terrible chose. Nous ne prétendons pas que vous le faites délibérément, mais nous sommes absolument certains que vous êtes toujours l'auteur de tout ce qui vous arrive. Nous appelons cela créer par défaut, c'est-à-dire que vous appliquez sans le savoir les lois universelles et obtenez ainsi des résultats non désirés. Et bien sûr, vous avez naturellement tendance à en nier la responsabilité lorsque vous avez créé quelque chose que vous ne voulez pas. Tant que vous ne serez pas disposé à accepter la responsabilité de tout ce que vous vivez, le positif comme le négatif, vous ne pourrez être conscient de votre véritable liberté. Aussi longtemps que vous croirez que quelqu'un d'autre ou quelque chose en dehors de vous exerce un contrôle sur vous ou crée vos expériences, vous ne serez pas libre et resterez sujet à leurs caprices, à leurs désirs et à leurs croyances. Vous existez dans un univers où la liberté absolue abonde et vous êtes libre. Vous l'êtes tellement que chacune de vos pensées a un effet sur votre expérience individuelle. Il n'y a pas plus grande liberté que celle-là. Votre rôle dans ce magnifique royaume physique consiste donc à avoir la pleine maîtrise de vos pensées, de manière à être, avoir et faire ce qui est important ou convenable pour vous. Vous êtes continuellement en train de créer votre réalité et d'émettre des pensées. En fait, il vous est impossible d'en interrompre le déroulement. Ce processus se produit en deux étapes, puisqu'il concerne d'abord la pensée que vous projetez, puis le sentiment correspondant qui en résulte. Vous formez la pensée à partir de votre perspective physique consciente, et votre être intérieur réagit par un sentiment analogue. Il s'ensuit donc que les deux aspects de votre être, soit le physique et le non-physique, co-créent littéralement ensemble. La partie physique apporte à la création les détails relatifs au temps et au lieu physique, ainsi que ses intentions et ses croyances. La partie non physique de votre être contribue à la conscience des objectifs plus vastes qui sont les vôtres du point de vue non physique. Elle vous aide à comprendre l'harmonie qu'il y a entre votre aspiration et vos croyances actuelles à l'égard du sujet de votre pensée, y compris vos buts plus vastes, selon votre perspective non physique. Si vous prêtez attention à votre ressenti, vous pouvez utiliser cette guidance pour prendre des décisions parfaites tout au long de votre cheminement à mesure que vous créez ou façonnez cette expérience de vie physique. Lorsque vous mettez l'accent sur le faire, vous approchez alors généralement le processus créatif à rebours. Vous devez commencer en identifiant d'abord comment vous désirez vous sentir, ce qui est l'être, et ensuite ce que vous voulez avoir. Ainsi, vous créez à partir de ce que vous ressentez en vous, soit de l'intérieur vers l'extérieur. De cette façon, vous établissez littéralement l'équilibre en vous. Grâce à cette méthode, vous n'agirez plus à partir d'un point de vue négatif en essayant de régler un problème ou de compenser une situation négative. Au contraire, vous aurez toujours une attitude positive en cherchant simplement à devenir plus clair. Une fois comprise l'idée que vous êtes le créateur de chaque expérience vécue et que par vos pensées vous attirez à vous ce qui vous arrive, il vous est alors plutôt aisé d'établir un lien entre ce que vous vivez maintenant et la façon dont vous en êtes venu là. Assumer la responsabilité de ce qui est en train de se passer. En acceptant ainsi de bon gré la pleine responsabilité de tout ce qui survient dans votre existence, vous découvrirez la suprême et satisfaisante liberté de pouvoir dorénavant entreprendre la création de toutes les choses magnifiques que vous pouvez imaginer. Chacun de vous est un créateur. Votre choix s'est porté précisément sur cette époque et ce lieu pour y appliquer les lois universelles afin d'engendrer de magnifiques créations sur le plan physique. Vous êtes venu chercher de la joie et œuvrer à votre croissance tout en continuant à exprimer votre liberté éternelle d'être tout ce que vous êtes. Tout ce que vous pouvez avoir et ce que vous parvenez à faire contribue essentiellement à l'amélioration de votre état d'être. Autrement dit, tout ce que vous savez et tout ce qui existe dans votre royaume physique, dont votre corps physique, n'ont pour seul but que d'améliorer votre état d'être. Par conséquent, notre définition du processus de création délibérée est la suivante. C'est l'offrande consciente de la pensée avec l'intention d'améliorer son état d'être. Et puisque nous connaissons tous un état de perpétuelle croissance, nous ne pouvons concevoir de fin à nos efforts créateurs. Le fondement de la vie est la liberté absolue. Le but de la vie est la joie absolue. Et son résultat est la croissance absolue.